une très grande sensibilité. Beaucoup de valeur. Passionné. Je m'appelle Georges Dijou, plus connu dans le monde artistique sous le nom de Dijema, donc qui reprend simplement les initiales de mon nom, prénom, donc Dijou, Georges, Marie, D-I-G-E-M-A. Ça c'est pour me présenter, j'ai 48 ans, ça fait maintenant 25 ans que je suis artiste sculpteur, donc j'ai touché un petit peu à tout, le bois, la pierre, le basalte, le marbre, et depuis 2 ans maintenant, les métaux. Il est capable de travailler le bois, il est capable de travailler la pierre, il est capable de travailler le métal. On lui montre une fois une technique, de suite il se l'approprie, on a l'impression que c'est inné chez lui. C'est cool, j'insiste là-dessus, c'est tellement petit qu'on peut lui donner la forme qu'on a envie. Donc rentrer dans les creux, passer sur les bosses, former l'épaule, former la poitrine, former le drapé. Par les écrous complètement de volume et de taille différentes me permet de créer tout ça justement. Georges, il est artiste, il est né artiste, c'est en lui, c'est pas quelque chose qu'il a mis en place, sur lequel il s'est formé, c'est en lui, c'est vital, il faut qu'il crée parce qu'il en a besoin, c'est un mode d'expression. Donc on vit avec un artiste, je vis avec lui et je vis avec ce côté artiste qu'il est. Donc oui, je l'accepte intégralement dans tout ce qu'il est. Et bien sûr, ça donne cette grande sensibilité, ça donne cette créativité à fleur de peau. C'est tout ça qui fait de lui l'artiste qu'il est. Ce n'est pas une formation, c'est lui. Il est comme ça. Super génial. Ça fait partie aussi de mon environnement, quoi. C'est l'air, c'est la Réunion, c'est mon île, c'est mon petit coin, c'est mes baleines, c'est les Réunionnais. Enfin, j'adore, quoi. J'adore.